Oh, bonjour! Oh, vous me surprenez en train de faire de la lecture à moi-même, de la lecture dans ma bulle. Mais c'est correct que vous arrivez puis vous me pétez la bulle, parce qu'aujourd'hui on parle de lire à deux. Lire à deux. Qu'est-ce que c'est ça, lire à deux? C'est tellement une stratégie gagnante pour pouvoir travailler ta vitesse de lecture, de respecter la ponctuation, de photographier encore plus de mots, mais surtout de pousser plus loin ta compréhension du texte, de mettre de l'avant les émotions, parce qu'on va se retrouver dans un contexte de discussion, moi et l'autre lecteur. Tu sais, lire, c'est pas vraiment tout le temps répondre à des questions. Moi, quand je lis le journal le matin, penses-tu que j'attends que quelqu'un me pose des questions par la suite? Aujourd'hui, là, mon lecture à deux, là, ce sont les petites étapes que tu dois mettre en place pour t'aider à mieux faire la lecture et à pousser plus loin, comme je viens de dire. Ça me répète, puis ça fait même pas une minute que la capsule est commencée. Première chose à penser, la position que tu dois avoir avec l'autre lecteur quand tu fais la lecture à deux. C'est pas toi qui as choisi que je fasse cette capsule-là aujourd'hui, mais j'ai mal dans le dos. Puis là, il faut que je fasse une position. Fait que là, respect s'il vous plaît à autant que ça va prendre pour me prendre, me mettre dans position. Alors, lorsque tu t'assois avec une autre personne pour faire la lecture à deux, c'est important d'être assis ici. Là, c'est drôle, je t'explique la lecture à deux en étant tout seul. Ce qui est important avec l'autre personne, c'est d'être genoux à genoux et coude à coude en ayant le livre entre nous deux. Que tu sois le lecteur ou tu sois la personne qui est en train de se faire lire l'histoire, tu te retrouves à ce moment-là à pouvoir autant regarder les images que le texte. Après avoir trouvé la position confortable qui permet à tous les deux de pouvoir lire et regarder les images, on se retrouve à survoler. Qu'est-ce que c'est ça, survoler le livre? De faire un tour d'hélicoptère. On regarde la page couverture, on regarde l'endo, on regarde l'intérieur, les images, de quoi on pense que ça veut parler. On se retrouve à faire un premier petit plongeon dans le texte pour savoir si le texte est approprié au niveau lecteur de moi et de la personne avec qui je suis dans ma lecture à deux. L'étape 3, comme ça le 3. Chaque personne lit une page ou lit une phrase, dépendant si tu es en première, deuxième, troisième année, donc le niveau de lecteur que tu es. Si pendant la lecture, tu te rends compte que l'autre personne a une difficulté, tu dois, toi, en tant qu'entraîneur, l'aider à décoder le mot et par la suite, lui rappeler, après avoir décodé ce mot-là, de relire sa phrase. As-tu l'allure ce que j'ai dit? Me semble que c'était... Étape 4. Alors, tu vas poser des questions du style, on peut poser des questions de compréhension, mais on peut poser davantage des questions de réaction, d'interprétation. Donc, des questions qui permettent de mettre de l'avant nos émotions, comment on réagit face à la lecture, comment nos yeux de lecteur ont vu l'histoire avec notre cœur. Ah, je pensais qu'il y avait 5 étapes. Il n'y a pas de 5 étapes. Et plus de tout ça, là... Oui, c'est de gagner de la vitesse de lecture. Oui, c'est de savoir interpréter. Mais c'est vraiment de pousser la lecture un peu plus loin. Pourquoi je prends cette voie-là? On n'a aucune idée.